Bonjour, le syndicat mixte ADN pour Ardèche Drôme Numérique est l'établissement public en charge du déploiement du réseau FTTH sur les départements de la Drôme et de l'Ardèche. Dans 90% des cas, ADN pourra utiliser des infrastructures existantes, qu'elles soient souterraines ou aériennes, d'autres opérateurs. Mais malheureusement, dans 10% des cas, ADN sera obligé de créer ses propres infrastructures quand celles-ci sont inexistantes ou insuffisantes. Aujourd'hui, on est dans un cas un peu particulier où les études n'ont pas encore démarré sur ce territoire. Mais en raison du programme de revêtement de voirie du département de l'Ardèche, ADN a décidé d'anticiper la réalisation de 6 km de génie civil sur la commune de Sainte-Eulalie. C'est une vraie politique d'anticipation et de coordination que le syndicat ADN a mis en œuvre, avec un investissement qui est conséquent mais qui est nécessaire pour assurer le déploiement du réseau FTTH. Eh bien bonjour, donc ADN a décidé donc de confier le déploiement du réseau FTTH au groupement Bouygues Énergie et Services et Axione. Au sein du groupement Bouygues Énergie et Services et Axione, nous nous sommes répartis le territoire de la Drôme et de l'Ardèche en fonction de zones géographiques. Et sur le territoire qui est géré par la société Axione, nous faisons appel à un génie civiliste de renom, la société Colas. Bonjour, Laurent Bassalaire, Colas Réseau au Pouzin, chef de secteur. Pour ce chantier de génie civil fibre optique situé à Sainte-Eulalie, nous réalisons une tranchée de 6 km de long et pose de 12 chambres. La technique employée sur ce chantier est une technique de micro-tranchée avec trancheuse, section de tranchée 15 cm de large par 45 cm de profondeur. Une fois les matériaux excavés, nous remplissons la tranchée de béton. Et pour reconstituer la structure de voirie sur la largeur de la tranchée, nous faisons appel à une raboteuse et nous mettons en application un revêtement en enrobé.